Coucou, coucou, bonjour. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma petite sœur, Solange Zomobem, qui vit aux États-Unis, qui a décidé, elle aussi, de créer une page YouTube pour faire la promotion des objets qu'elle fabrique. Elle customise des boîtes de chips. Elle crée des drapeaux avec des boîtes de chips. Tout ce travail est dans la page Diet Studio. Elle est inscrite sur Facebook au nom de Solo Zomobem. Allez l'encourager. Si vous appréciez ce que j'ai toujours fait, nous avons le même sang. Je trouve qu'elle est très douée et ce qu'elle veut faire est intéressant pour apporter un soutien aux femmes. Elle fait tout un discours sur la promotion des femmes, sur l'évolution et l'émancipation de la femme africaine, qui est toujours restée en retrait, parce qu'elle aime s'occuper de ce qui ne la regarde pas, au lieu de s'occuper de ses oignons. C'est vraiment intéressant et important que les femmes africaines apprennent à lire, à s'occuper de leurs affaires, parce que le temps que vous perdez, allez parler des autres, de moi, alors que vous-même, vous avez une vie où vous devez faire la promotion de votre histoire. Raconter votre histoire, c'est très important pour inspirer la jeunesse. Quand vous avez fini de parler de moi et votre histoire est en chantier, vous pensez que vous avez évolué, non? Et c'est en même temps l'occasion de dire à ceux qui ont toujours voulu savoir si j'ai une famille ou pas, c'est l'occasion d'aller lui demander si je suis effectivement sa sœur. Parce qu'à un moment, il a été raconté sur Internet que je ne suis pas l'enfant Zomobem. Même si je m'en fous, mais ça pose quand même des questions sur la mentalité des autres aujourd'hui qui aiment s'occuper, dénigrer, écrire l'histoire des autres, refaire le portrait. Ma sœur, elle me connaît très bien. Donc vous pouvez lui demander comment j'ai grandi, qui je suis, si je suis sa sœur, nanani nanana. Donc, je vous demande sincèrement à tous ceux qui m'apprécient d'aller soutenir ma petite sœur, Solange Zomobem. Nous, on l'appelle Solo. Elle vit aux États-Unis. Elle est mariée avec un Bamileke. Comme je vous ai dit, je ne peux pas être tribaliste. Elle est mariée avec un Bamileke avec qui nous avons des relations de qualité. Donc, c'est l'occasion de la soutenir. Et j'invite les Camerounais aller voir ce beau travail qu'elle a commencé, qui va à l'horizon produire des fruits pour valoriser la femme africaine et camerounaise en particulier. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.